La Martinique est à l'honneur du 12 au 24 septembre prochain à l'occasion du festival Martinique gourmande. C'est donc l'occasion d'étirer l'été et de découvrir ou redécouvrir la gastronomie martiniquaise. Le festival en est à sa 16e édition. Comment l'idée de ce festival-là est née? Cette idée de festival Martinique gourmande déjà a vu le jour en 2008. Donc là, aujourd'hui, on en est à sa 16e édition. Et l'objectif, c'était vraiment de rapprocher la Martinique des Québécois grâce à sa gastronomie. Qu'est-ce qu'on retrouve comme activité, comme événement pendant ce festival? Alors, pendant les 10 jours du festival Martinique gourmande, vous allez avoir des bars et des restaurants participants. Pendant ce temps-là, ils vont proposer un menu ou un cocktail pour les bars, ou les deux à la fois, inspiré des saveurs martiniquaises. On parle d'un festival gourmand, mais on parle aussi d'un festival où la solidarité est à l'honneur. En fait, depuis 2020, le festival est associé aux cuisines solidaires de la Tablée des Chefs, dans l'objectif d'apporter un peu de réconfort, un peu de chaleur aux familles qui seraient en insécurité alimentaire. Donc grâce aux dons que le CMT apporte, mais aussi grâce aux dons que le public fait généreusement, il y a vraiment des milliers de portions de repas qui sont préparées grâce à la Tablée des Chefs, mais aussi avec l'aide de notre chef référent qui est Jérémy Jean-Baptiste. Et ces milliers de portions seront distribuées aux banques alimentaires du Québec. Là, tu as créé un plat aujourd'hui. Parle-moi de ce plat-là. Alors, c'est une recette fusion. J'ai essayé de mélanger des habitudes alimentaires québécoises. Le porc effiloché, c'est quand même une recette qui a beaucoup de succès ici. Et j'ai voulu y rajouter une petite twist antillaise avec l'épice à Colombo. Donc, c'est une recette qui va associer, je dirais, l'histoire culinaire de la Martinique et puis des habitudes culinaires qu'on peut avoir à Québec en consommant du porc effiloché. En participant aux activités reliées à ce festival-là, il y a aussi un concours d'organiser. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? À partir du 12 septembre et jusqu'au 12 octobre, vous pouvez courir la chance de remporter un séjour en Martinique pour deux personnes pendant une semaine grâce à notre partenaire Air Canada et notre partenaire hébergement qui est l'Hôtel Bambou. Vraiment situé les pieds dans l'eau, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site martiniquegourmande.ca et le tirage au sort aura lieu quelques jours après.